Bonjour à tous, bienvenue sur Captain Fight. Je suis Captain Emma et je suis là aujourd'hui pour répondre à vos questions. Alors pour moi, la motivation, je la trouve surtout dans mes objectifs. Ce que je fais souvent, comme je sais que je m'entraîne assez souvent et que des fois, bon, il y a des périodes où j'ai pas trop de morale, où j'ai pas trop la forme, c'est que je me donne quelques objectifs, soit dans la semaine, par exemple, sur une courte durée, soit sur le mois. Donc ça peut être, par exemple, je sais que j'ai un exercice que j'arrive pas à faire, je me dis à la fin de la semaine, il faut que j'ai fait au moins 10 répétitions de cet exercice. Donc ça va me permettre d'en mettre à chaque fois plus, à chaque entraînement, et de me dire, bah voilà, bah peut-être qu'à la fin de cette semaine, j'aurai atteint cet objectif et je me sentirai déjà mieux, ce serait une victoire sur mon entraînement. Après, dans le mois, ça peut être, si c'est une perte de poids, je peux me dire que j'ai perdu peut-être 2 cm de tour de taille, ou j'arrive à rentrer dans un pantalon que je voulais mettre depuis longtemps. Voilà, ça peut être des petites astuces comme ça qui nous aident à dire bon bah j'ai vaincu quelque chose, j'ai réussi à avoir une belle victoire. Et il y a aussi le fait que le sport pour moi me donne de l'énergie au quotidien, donc, et dans la vie quotidienne, au travail, etc. Et la pêche quand j'ai un peu un coup de mou, quand il fait froid dehors, ou quand c'est une période un peu difficile. Donc psychologiquement, c'est très enrichissant aussi pour moi. Donc il faut se donner aussi des petits objectifs et organiser soit ses séances, voilà, un petit objectif par séance, ou par semaine, ou par mois. Ça peut m'aider pour ma motivation.